Eh bien salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode pour Farming Real Life. Bien sûr, bah c'est la saison des moissons, donc on est sur notre deuxième moisson. Voilà. J'espère que ça vous plaira. On est parti pour aller faire de la moisson d'orge en conventionnel, voir comment ça se passe. On est avec une New Holland, ça va changer un peu de classe. Et on a du John Deere et du NH qui roulent les remorques. On va voir tout ça en image. C'est parti, let's go! Préparer tout le truc, mais je crois que ça sent bon, chef. Je l'ai vu en direct, elle est tombée d'un coup, on n'a pas compris pourquoi. Un mètre avant, ça allait, c'était encore dans le dur, elle a même pas marqué le sol. Tout d'un coup, elle est tombée. Donc, supposons un trou ou un point d'eau, c'est une possibilité, une nappe phréatique qui peut passer en dessous aussi, ça arrive souvent. Donc, du coup, voilà. Il est en train de vider gentiment, histoire d'alléger un peu la moissonneuse qui est déjà vachement lourde. On va essayer de suivre ça et on va essayer de voir comment ça se passe. Du coup, comme vous le doutez, vu qu'elle est bien embourbée, bah, il va falloir un coup de main d'un autre tracteur. Donc on a un T6 en renfort que je vous montrerai. Essayer de tirer avec le T6 pour tout simplement essayer de sortir la NH en espérant que ça va bien sortir. Bon, première casse du câble. La moissonneuse n'a même pas bougé d'un millimètre. C'est mal barré. C'est vraiment mal barré. Je pouvais pas repartir quand même sans vous montrer le T6 180 chevaux qui a magnifiquement sorti tout simplement la moissonneuse tranquillement de son cours, de son bourbier qu'on va aller voir tout de suite. Il est profond quand même, hein. Ouais, il est profond. C'est un peu haut, mais c'est vachement profond. Hein. Est-ce qu'il repasse ou qu'il repasse pas? Juste à côté du trou. Regardez, on est vers le trou, il va passer juste derrière moi. Bonne question, va-t-il passer du premier coup sans l'idée? Pour la 6 80 litres, tu passes honorablement le trou gentiment. Voilà, donc ça va bien se passer. Vous continuez gentiment. Nous aussi, on va à la paille et c'est parti. C'est nickel. Je viens d'arriver dans le champ. Le champ est juste énorme, mais quand je vous dis énorme, c'est énorme. Voilà, c'est un truc de fou. On demandera à Jérémy. Parce que oui, c'est encore un Jérémy, puisque c'est Jérémy les meilleurs de toute façon. Hein. On demandera à Jérémy combien d'hectares il fait à peu près celui-là, s'il a le chiffre. Donc, je vous retrouve tout de suite à côté du N7 et de la botteleuse Big Crown. C'est parti. Téléporté dans le tracteur, le T7,
que vous connaissez, que vous avez déjà vu avec la herse rotative et le rouleau devant. Et du coup, on a un challenge alors, c'est ça. Et une côte, une grande côte. Alors, je sais pas si ça va se voir bien à la caméra. Et il va falloir qu'on se la tape. Et apparemment, il n'y a aucun tracteur qui arrive à monter. Avec la presse. Avec la presse, oui, bien sûr, ouais, parce qu'on a la Micron derrière. Hein. On l'oublie pas. Pareil, je vous l'avais présenté, c'est la même que les fois, ça. C'est le hein. Ouais. On a juste changé le tracteur dehors. D'accord. Du coup, on a pris plus costaud dehors. Ah oui, parce que tu vois, on un petit peu plus vite en vitesse, là. Ouais. Regardez. Attention, ah, avec les à la côte. Ah ouais. Alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ça grimpe sévère. Ça prend. Oh bah là c'est pas le pire, hein. Là ça monte. Hein. La sacré dénivelé là. Voilà là. Ah ouais. Si, si ça devrait se voir bien à la caméra. C'est pour ça que c'est de la nuit extérieure à mon avis. Ouais, je serais mieux. Bon les gars. Il y a le cyclope. Il va repartir, on va essayer de le faire décoller. Allez les gars, c'est parti! Le drone est au décollage! On est sur la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à lâcher un commentaire aussi si vous en avez pas vu assez. On pourrait peut-être faire mieux le prochain coup. Et on se dit à la prochaine les schizophabes. Ciao, bonsoir.